Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Créée en 1978, l'API Centre Alsace gère 10 établissements et services en Alsace pour 240 salariés. Adhérent ID Alsace depuis décembre 2017, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir cette structure avec son président Alexandre Kraut ainsi qu'avec Pauline Gachot, chargée de communication Alsace Évasion. Alors bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Alexandre Kraut, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le fonctionnement de l'API Centre Alsace et nous expliquer ce que c'est exactement? Alors l'API Centre Alsace est une association créée par des parents il y a 40 ans, comme vous le dites. Et cette association a reçu des agréments du conseil départemental et de l'ARS pour gérer des établissements médico-sociaux, pour l'accueil et l'accompagnement de personnes handicapées, en situation de handicap, de zéro jusqu'à l'âge très avancé. Et nous avons différents établissements avec de l'accueil pour des personnes polyhandicapées, autistes, pour des personnes qui travaillent, voire même pour des artistes qui travaillent actuellement à l'évasion. Donc ça, on en parlera juste après. La démarche qualité fait vraiment partie intégrante de votre stratégie, de votre culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la démarche RSE qui est mise en place ? Alors, on a fait un diagnostic RSE réalisé en 2016 par un consultant de l'AFNOR. Et suite à cela, nous avons aussi réalisé un bilan carbone. Et puis, la première étape, ça va être la mise en place d'un plan transport entreprise, puisque nous avons pu remarquer que la grosse production de carbone provenait en fait des déplacements de nos salariés. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est un volet économique, c'est les repas. On confectionne quand même pas mal de repas dans notre entreprise, dans notre association. Ensuite, on met en place des outils pour aider les salariés, la mise en place pour la manutention des personnes, l'ergonomie des espaces et des équipements, et plus généralement le versant prévention. Et tout cela, nous le faisons dans le cadre de la RSE. Et puis, la grande nouveauté, c'est que nous avons un projet associatif global qui va être réécrit cette année. Et les grands thèmes qu'on va aborder dans ce projet associatif global pour la 2018-2023, ça va être justement d'aborder toutes les facettes du RSE. Super. Alors, je bascule du coup sur les AT Évasion. Donc, Pauline Gachot, vous êtes la chargée de communication à les AT Évasion. Quelles sont les missions de l'ESAT ? Alors un ESAT, c'est une structure médico-sociale à vocation économique et c'est un lieu de travail pour les personnes en situation de handicap. La particularité, c'est qu'on leur donne la possibilité d'exercer une profession dans un milieu protégé avec des conditions et un cadre de travail adapté à leur handicap ou à leur maladie. Et quelle est la particularité alors de l'ESAT et Évasion ? Alors l'Évasion fait partie de la petite dizaine d'ESAT artistiques et culturelles en France. Et la particularité dans la particularité de l'Évasion, c'est qu'on a plusieurs corps de métier chez nous. On a des musiciens et des chanteurs qui se produisent. On a trois groupes de musique et ils se produisent beaucoup en Alsace, mais des fois ils partent un peu plus loin en tournée. On a des plasticiens qui, eux, répondent à des commandes du type création de logos, création de trophées, affiches, étiquettes de bouteilles de vin. Ils animent des ateliers aussi beaucoup dans les maisons de retraite ou les structures périscolaires et les écoles. Et le troisième métier de l'Évasion, c'est notre salle de spectacle, qui est un lieu de diffusion. On a une programmation culturelle comme dans toutes les salles. On accueille des compagnies artistiques, des groupes de musique, des chanteurs, des conteurs et les personnes qui les accueillent sont des personnes en situation de handicap et forment l'équipe de techniciens et l'équipe d'accueil et de communication aussi. Alors une des actions phares, je crois, c'est notamment le festival Charivari, c'est ça ? Alors tous les deux ans, on organise le festival Charivari, qui est un festival culture et handicap, qui s'étend sur 4 jours au temps de ce matin de Célestat. On a une programmation artistique qu'on essaye d'axer beaucoup autour du handicap, mais pas que, parce que ce qu'on prône, c'est la mixité et la rencontre des publics et des artistes. Alors justement, le groupe de l'ESAT Évasion, on aura la possibilité de le voir le 20 mars prochain, lors d'un événement organisé justement dans vos locaux à l'ESAT Évasion sur le thème du mécénat. Quel sera le programme de cette matinée et pourquoi, j'ai envie de dire, il faut y aller ? Alors le programme de la matinée, enfin le but de la matinée, c'est la rencontre entre les acteurs économiques de la région. On leur donne la possibilité d'échanger autour du mécénat, de ce que ça peut apporter à leur entreprise, quels sont les objectifs et les attentes de ce genre d'action. Et comme ça se passera à l'Évasion, c'est aussi l'occasion pour tous les invités de découvrir le lieu, la salle de spectacle et aussi de rencontrer nos artistes et nos équipes et de comprendre ce qu'on y fait tous les jours.
Pauline Gachot et Alexandre Krohn, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci. Pour en savoir plus donc, sur le mécénat, nous vous donnons rendez-vous le 20 mars prochain, donc à partir de 2h30 dans les locaux de l'ESAT Évasion, donc à Célestat, pour découvrir les enjeux du mécénat, avec le témoignage notamment d'Anne Letzgen, la présidente du groupe Schmitt. Vous pourrez donc, comme on l'a dit également, faire une visite insolite des ateliers artistiques de l'ESAT Évasion. Merci à vous et je vous retrouve pour le prochain portrait d'adhérent, donc en compagnie de Philippe Linden, directeur opérationnel chez Spiest. À très vite.